à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkin Echo et nous allons continuer ce let's play de Dishonored 2 avec cet épisode numéro 50. 50, la moitié de 100, c'est trop bien. Bon, je pense pas qu'on va le finir sur ce coup-là, mais en tout cas, voilà, c'est bien parti pour finir dans cette session de stream et donc dans les, on va dire, 4-5 épisodes restants, je pense. Alors, déjà, là, il y a un clébard. Ou pas. C'est juste que le truc a pas popé, c'est ça, ou... Ouais, c'est ça, c'est juste qu'il n'y avait pas la visibilité. Il n'y avait pas l'objet, mais il y avait bien l'objet. Ah, il n'y avait pas le skin. Alors, non, sérieux, tu... Ah, je me disais aussi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans l'ammoniaque se noie le cuivre précieux. Okay. Le bleu d'azur suscite des rêves scabreux. Quatre mains tamisant et quatre mains mélangeant produisent des éléments et font taire les vents. Doigts tachés bleus et rougis font naître les arcs-en-ciel à pinceau chromis. Teinture de goudron et placenta de truffes réduits en poudre d'un magenta exquis. Deux mains tamisant et deux mains mélangeant produisent les pigments et font taire les vents. Ok, il y en a bien une quatrième. Et craquant sous le pilon à couche d'un noir pénétrant. Une main tamisant et une main mélangeant produisent les pigments et font taire. Allez, on va essayer d'y aller à la zob. Boue ancestrale et argile suintante. Teinture jaune du nerf et voilà, taisez-vous un peu. Ah bah ça fait du bien quand elle se taise. Se soigner au niveau du mana, oui, bien sûr que je veux. Se soigner au niveau de la vie, oui, bien sûr que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant par ici? Donc là, il y a une sorcière qui est en train de patrouiller là-bas. Cramoisie et noir. Comella. C'est ça, Comella? Ouais, Comella. J'ai une mission spéciale pour toi et quelques autres sœurs du cercle. Je travaille actuellement sur un tableau très important, mon ultime chef-d'œuvre. Et j'ai besoin de pigments rares pour l'achever. Œuvrez en secret et vite. Prépare tous les ingrédients nécessaires. Utilise le fémur d'un marin noyé pour broyer et mélanger les couleurs. Rassemble 20 limaces striées et enferme-les dans un bocal jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Elle sera grosse et luisante, oui. Gonflée au point de menacer d'éclater. Écrase-la de tes doigts et recueille le jus dans un récipient. Il servira à une consistance plus fine au pigment. Mon amour pour toi ne fait que grandir. Ton impératrice à jamais, Delilah. Ouais. Ouais. Vous êtes juste over chelou, les filles. Ok. Bon. Bien. Qu'est-ce qu'on a par là? Donc là, il y a les fameuses... Ok. Et donc là, ici, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. Par là. Qui se balade juste, qui fait des allers-retours ou qui... Qui fait le P. D'accord. Apparemment, ça a l'air d'être jouable. Et oui, t'as pas choisi la bonne sorcière. T'aurais dû choisir Emily Caldwin. Impératrice de la bonté. Mouah!
aller un peu vite là. Ok. Alors il y avait une troisième qui se baladait là comme ça, mais je ne sais pas où exactement. Est-ce que ça passe si jamais toi je te fais popper ici? Raté! Alors complètement raté. Ok. C'était pas celui-là que je voulais, c'était le clone d'ombre. Où est le clébard? Il est là. Ok, bon, ça a l'air d'être plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'elles font ensuite comme patrouille? Ah, mais ça y est, je situe où est-ce qu'on est. Il y a le mausolée de Jessamine là-bas. Ok. Et là, il y a l'écluse. Ouais, d'accord. Je vois où on est. Ah, c'est cool qu'ils aient réussi à reprendre la map, mais en la modifiant légèrement. Forcément, il y a 15 ans qui sont passés. Alors, est-ce que je te headshot, toi? Ça pourrait être pas mal. Voilà. Oups. Et merde, à STP. Trop tard. Je ferai mieux de fouiller partout. Est-ce que je pourrais me TP là-bas ou pas? Mais ça me paraît un peu juste. Elle est. Le sang et les larmes vont couler pour Delilah.
Et merde, je vais crever. Il est temps de lâcher les remplis ma tête. Venez ici. Vous n'avez aucune chance de toute façon. Voilà un tour. Je veux votre râle d'agonie. Je peux toujours vous faire souffrir. Ah, j'avais oublié que ces saloperies revivaient. Ok, bon, c'est pas fameux fameux. Comment j'ai fait pour me soigner? Ah, ça a consommé automatiquement une potion. Ok. Et non, je peux pas la prendre celle-ci de pomme. D'accord. Ça doit être une pomme empoisonnée. Alors. Bon, ben, au final, on a nettoyé la zone, pas tout à fait comme je pensais, mais on l'a nettoyée. Voilà. Alors, ils m'ont dit qu'il y avait une rune ou un charme d'os à proximité. En effet, comment j'ai pu le louper encore une fois? Ah, mais il était dans un truc. Ok. Visée exigeante. Ouh. Vos carreaux infligent un peu plus de dégâts, comme s'ils n'étaient pas déjà overcheatés. Sérieux. Hop, créer. Sacrifier. Viser. Valider. Ensuite, là, on a le charme d'os encore, et ici, on a une rune qui est un peu plus proche, mais on va essayer quand même d'aller voir. C'est dans l'écluse, ok. D'accord, elles sont en train de papoter. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas qui soit posté à cet endroit-là. Délie à vous une haine sans limite à ma mère. Regarde-toi, couverte de miel et de pissenlit. Tu maîtrises enfin la magie des Cerbères. C'est ça? Oui, ces pauvres superviseurs morts m'ont gentiment légué leur précieux os. Toute une meute, ils sont sous le pont. Trop de sorcières en ce moment. Où il est passé? Réussir à le détruire sans faire gaffe. Ok. Oh oh. Bonjour. Ah, j'aimais bien ton style. Hop là. Alors. Rien à l'intérieur de l'écluse. Il n'y a rien à l'intérieur de l'écluse. Ok, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle.
Personne ne s'est aventuré sur le Brennaven depuis longtemps. Alors ce n'est rien, peut-être un bateau à la dérive. Bien. L'écluse. Lisa, tu aimes ton poste, je m'ennuie à mourir, moi. J'ai dit qu'on devrait ouvrir l'écluse pour avoir notre propre flotte impériale. Je me porte volontaire pour être le premier capitaine de Delilah. Ronica. Ça t'arrive de réfléchir. On a fermé l'écluse pour empêcher les intrus de s'introduire par là en bateau. C'est Delilah qui en a donné l'ordre. Elle a assez de soucis à se faire comme ça. Protéger la tour est sa priorité. Comme elle l'a dit hier soir, ce que tu saurais si tu n'étais pas parti piller. Oui, je t'ai vu t'éclipser. Lisa. Je sais ce qu'elle a dit, Belinda me l'a raconté quand je suis revenu. Et si on restait sur l'écluse au lieu de la bloquer avec tout ce bric-à-brac, on pourrait empêcher les intrus de s'approcher de la tour. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir notre propre flotte avec moi comme capitaine. Eh bien, en tout cas, ça risque plus trop d'arriver. Hop. Récupération agile, vous récupérez un peu plus vite après une chute. Sacrifions. Donc on en est à 12 autres baleines. Hop. C'est toujours ça de prix. Alors, j'ai... Ouh, 4 runes, oulala. Alors ça fait quoi ça? Glissade, ralentissez le temps en glissant avec une arme à distance en main à condition de viser un ennemi. Ouais. Dévier les projectiles vers l'ennemi le plus proche, ça par contre ça peut être bien. Et augmente le délai accordé pour parer un coup. Ouais. Et sinon... Attirer des objets à vous et attraper-les au vol, y compris les cadavres et les corps inconscients. Éventuellement on peut faire l'attraction des objets, ça peut être pas mal, mais bon. Ou alors sinon on prend le sanguinaire histoire de tout défoncer. L'adrénaline se remplit automatiquement, ça je m'en fiche. Ah, je ne sais pas. Bon, on va faire le truc pour envoyer les projectiles, déjà c'est pas mal. Visée non, parade experte non. Par contre, agilité... Non. Moi, ouais, je pourrais faire le coup du rat. Prémonition, ouais. Non, pour l'instant, on va garder les deux runes restantes, on verra ce qu'on en fait. Alors. Ouais, ok, y a rien. Allez, hop. Alors. Oh oh. Il n'y a pas de garde là? Bon, enfin, si, il y en a, mais... Alors normalement ça par contre, flingue ou autre chose, ça devrait fonctionner. Sérieux?
Voilà. Aha. Si on doit compter par rapport au nombre de caisses ouvertes, là il y en a 3 que j'ai explosées. Et là, il y en a au moins 3 aussi. Mais est-ce que ils sont sortis ou pas? C'est ça la question. Donc là on a bien une poulette. Voilà. Après tout, vu toutes les balles qu'on trouve, ça fait chier de pas les utiliser, donc... Lucas, ses yeux sur moi. Là, pour le coup, les yeux, ils sont plus du côté... du côté de l'outsider que du côté du réel. Ok. Donc là, il n'y a rien. Enfin, j'espère. Parce que j'ai pas trop envie de tomber pour des prunes, donc... j'ai l'impression que la grimpette serait un peu relou. Ok. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a loupé comme objet. Non, ça c'est juste un reflet de la lune. Oh putain. Dégage, 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 dégage. Je sais pas pourquoi je pouvais pas lui faire la kill cam, mais admettons. L'important, on va dire, c'est le résultat. Hein. Mais ils m'ont tout pourri, mon palais. Les algues sont sèches, mais elles sont plus faciles à ramasser. C'est moins solide. Elles ont gardé leur hauteur. De quelle quantité d'algues maîtresse Delilah a-t-elle besoin? Et pour en faire quoi? Tu peux me le dire, je n'irai pas la répéter. Une quantité raisonnable. Et si tu me promets de tenir ta langue, je veux bien t'éclairer. C'est pour sa nouvelle œuvre, une peinture capable d'éclipser toutes les autres, d'après elle. Elle prépare une magie encore jamais vue. Que pourrait encore souhaiter notre maîtresse après avoir conquis Dunwall Tower? Delilah veut le monde tout entier, ma chère, avec ses océans et les étoiles du ciel. Ben tiens. Ok. Donc si ça c'est pas de la mégalomanie, hein, je veux juste voir le monde entier, tout ça, tout ça. C'est la fête. Je ne me sens plus, tout ça. Charme, rune, tout ça. Rune. Ici. Ok. Hmm.
Bien. Mais encore. Comment est-ce qu'on y va là? Est-ce que il y a moyen de passer? Ah ah, peut-être par là. Voilà. Inspection des égouts et de la salle de pompage. Niveau de l'eau normal. J'ai dû brûler quelques raclures d'eau près de la porte de B. Ça devrait les empêcher de revenir. Niveau de l'eau normal. Forte pluie. Niveau de l'eau supérieur à la normale. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut croire qu'on a une nouvelle impératrice sortie d'on ne sait où. Ça ne me dit rien qui vaille. Personne ne m'a contacté. Je ne sais pas si je suis censé continuer à travailler comme d'habitude. J'ai enlevé la carcasse d'un molosse coincé dans la porte de 14D. Je ne me sens pas en sécurité dehors. Je vais rester caché ici un moment. Je me suis trouvé un bon coin près de la salle de pompage. J'ai entendu des voix dans les égouts. Deux de ces femmes étranges qui se sont installées dans la tour avec la nouvelle impératrice. Elles récoltaient de la mousse et des algues. Elles sont restées environ une heure à racler, les murs en chantant. Je me demande ce qu'elles faisaient exactement. Elles nettoient les égouts? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elles savent que je travaille toujours ici? Est-ce que quelqu'un le sait? Les femmes sont revenues. Elles ont recommencé à gratter les murs des égouts pour recueillir des algues. Cette fois, elles ont aussi parlé d'eau humaine dont elles ont besoin pour un genre de recette. J'ai peut-être mal compris. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sorte d'ici avant qu'elles me trouvent ou que je meure de faim. Je tenterai ma chance ce soir. J'ai comme l'impression que ça n'a pas réussi, monsieur. Alors, on est d'accord que là j'ai tout récupéré. Ouais. Oh, is. Donc là, il y a Dunwall Tower, mais on va y aller après. Là, pour l'instant, on va d'abord se concentrer un petit peu sur quels sont les objets qu'on pourrait récupérer. Oh putain. Ah, ben quelque chose me dit que c'est le fameux monsieur qui a tenté sa chance. Vers l'intérieur de la tour, donc non. Mais on sait qu'il y a une entrée secrète qui passe par les égouts. Oui, il y a un gros wink-wink dans ce que je viens de dire, les gens. Donc, vous avez le droit de commenter en mode... C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. Alors, il y a un endroit que j'ai pas encore trop fouillé, c'est l'entrée, entre guillemets. Ouais, voilà, ici. Là où il y a toutes les statues de pierre. Donc c'est bien solide, il n'y a pas de problème. Ça doit être un coup de Delilah. Sans déconner. Mais en fait, c'est... Ça ressemble plus à du figé dans le temps qu'à de la pétrification. Parce que là, les petits morceaux qui volent... Je sais pas. C'est assez bizarre. Ah d'accord, c'est les superviseurs ça. Encore. Ouh. Ok. Alors, vous, on va vous cramer. Non mais le carnage quoi.
Oui, je fouille chaque corps, même si ça sert à rien. Hop. D'accord. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour passer? Je vois de l'électricité là-bas, je sais pas si ça a une influence. Oh, ce fail! Ah d'accord, en fait je me suis peut-être bloqué, enfin bloqué. Peut-être qu'en fait je suis passé par le bon chemin de toute manière parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Ah, on peut passer... Non. Du coup j'ai peur d'avoir loupé quelque chose de l'autre côté. Bon ben c'est pas très grave, on va continuer, on va tracer. On va s'arrêter là surtout pour cet épisode numéro 50, car mine de rien il est déjà, ça fait déjà 30 minutes. Et j'hésite à aller vérifier en fait, hors antenne entre guillemets, ce qui se passe si jamais on prend la vraie entrée. Donc on va faire ça, je vais vérifier hors antenne, si jamais il y a quelque chose d'intéressant je reprendrai l'enregistrement. Zup là, donc, ben, comme d'habitude, vous avez, enfin voilà, vous avez l'habitude, hein, Twitter pour avoir les infos sur prochain live et prochain replay, puis commentaires, partage, amour, Dieu le veut, tout ça, si le cœur vous en dit. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.